Donc comme je vous ai dit, on se retrouve pour créer nos petites chaussures. Donc là on est avec nos LeBron 17, non LeBron 16, donc c'est des, ouais, des LeBron 16. On va se personnaliser ça ensemble et puis vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, liseré, logo, languette. C'est la première fois que je personnalise des chaussures sur 2K20, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Caoutchouc, rien qui... matière, c'est quoi là? Cuir, vernis, velours, tissu, maille. Ah ok. On va mettre du velours. C'est le petit logo là qu'on change. Et c'est bien, oui, on a envie de mettre des petites couleurs beau gosse, tu vois, pour pas forcément avoir avec l'équipe, histoire que ça soit bien flashy sur le terrain. Donc pour le velours, pour que ça soit bien stylé. Couleur de l'équipe. Ah ok. Ah, on peut se mettre. Houston Rockets. Le R. La Rockets. Jaune. Ouais, au pire on va faire ça, on va prendre le jaune des roquettes. Motif. On peut mettre des motifs sur... C'est un délire. C'est bon. Logo languette. Est-ce qu'on se met une couleur flashy là? Est-ce qu'on se mettrait pas une petite couleur un peu originale? Le liseré il fait un peu moche. Oh, bleu royal comme ça là. Ce serait pas magnifique? Si après on met une couleur or sur le liseré. On se met ça, et par défaut, ça on met... Au pire, ça on met du daim. Et ça, du coup, on change la couleur. Voilà, un peu comme ça. Hop, et là, on met métallisé. Comme ça. On va partir là-dessus, sangle de talon. Voyons voir si on se met encore sur du doré. Ça c'est plus beau hein, quand même. On va partir là-dessus. Ah ouais, ça peut être stylax. Oh, je sais pas, hein. Y a trop de choix. Hein. En vrai, je pensais faire une vidéo de 2 minutes, mais voilà, c'est long. Hein. On va rester là-dessus pour l'instant. Logo talon. Couleur récente. Waouh, juste les yeux. Oh, c'est énervé. Vas-y, on met le bleu royal. Attends, doublure languette talon. Ça va être dégueulasse, j'ai l'impression. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! On va se le mettre en black. Ou en jaune. Je sais pas. Vas-y, pour l'instant, on va se le mettre en jaune comme ça. Ah ouais, il y a. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Voilà. Souche intérieure, couleur récente pour voir c'est quoi qui change. C'est ça. Donc lui, on va le mettre en bleu. On essaye, hein. On verra la virgule. J'imagine que c'est derrière du coup. Le... Est-ce que ça donne quand même? Je sais pas trop. On verra après. La paire, je vais la mettre noire. Œillet de la chaussure. Les œillets, normalement, c'est le petit truc au niveau de lacet. C'est ça. On va rester sur une base de bleu. Lacet, on va les mettre en or. Ou non, noir. Bleu. On va se mettre sur du jaune. Je sens que la paire va être dégueulasse. Bien évidemment! La doublure intérieure, on va la mettre en bleu. Et au pire, si elle est dégueulasse même, ça sera une paire unique, ça sera la paire du monstre dégueulasse, tu vois. Un monstre, ça fait du sale, tu vois, ça fait pas du propre. Donc même si les chaussures sont dégueulasses, ça sera du sale. Alors, ça, on va le mettre en jaune, je pense, mais du coup, il faudra refaire sortir. Et là, c'est en bleu, peut-être, c'est orteil. C'est quoi, c'est le box-top? Comme ça, pour l'instant, elle est pas dégueulasse. Mais après, c'est avec, avec l'équipement du joueur, là, ça va peut-être être dégueulasse. Entre semelles, c'est ça. Donc bleu ou jaune? Bleu, ça claque quand même. Après, on fera la bulle. Si on peut changer la couleur de la bulle, on la mettra jaune. Là, ça va claquer. Non. Hop là. Airbag. Les bulles, ils appellent ça des airbags. Les airbags, oh, ça fait trop jaune. Voilà, un jaune neutre, genre pour faire comme si c'est translucide, quoi. Ouais, comme ça, c'est bien. Hop. Semelle extérieure. Donc semelle extérieure, normalement, c'est ça. Oh, c'est horrible dessous là pour l'instant. Vas-y, on part sur celui-là. Pour l'instant, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Un jaune plus discret, comme ça, ouais, ouais, ça passe. Et la base, on la met noire. Franchement, ça passe, non? Vous allez me dire en commentaire, mais franchement, je trouve que ça passe. À la limite, le swoosh. Ah non, là, ça fait trop clown.
rap about Dax and I promise that nigga gon' say they don't know me. I meet him in person, they say to the homie, then I get the word that the nigga a phony. Half of these rappers was made with Adobe, copy and paste, just rap by the roadie. Cutting up rappers like barbers cause I got the edge, now I'm up and I fade up like Kobe. Whole black beat a flip because I'm finna murder niggas here today. I was a janitor back in December, then I took my shit and I moved to LA. Used to be broke, I was cleaning the floors, it was overnight shifts every day. Now when I rap on an instrumental, you can guarantee my ass getting paid. Eminem come find me, Dr. Dre come sign me. Props to my nigga Travis Scott cause he put a baby up in Kylie. I ain't taking this as lightly, if you gon' talk, you gon' have to fight me. No, I ain't Kanye, you won't get away if you try to mention on my wifey. What you thought this was a joke? Peep the drip, nigga need a coat. Thought I would lay down, couldn't stay down, man, Dax never lost hope. Now when I move, they treat me like the Pope. Rapping the year, treat me like the goat. Yo, wave make the people drown, now I got niggas hopping on the boat. Hopping on the boat, trying to hit a lick. Only fuck with me now, nigga rich, nigga rich. Vu ce qu'on avait au départ, le tout gris, enfin le truc bizarre de base, c'est pas dégueu. Je me vois bien jouer avec ça, là, sur le terrain. On verra. Hop, comment on fait? Sauvegarder et quitter. Oui, sauvegarder ses chaussures. Hop. On les va... Alors, on va les appeler... Mojai1. Vas-y, on... Merde. On part là-dessus. Allez, les Mojai1 sont créés, les gars. Votre chausseur personnalisé a été sauvegardé. Vous pouvez l'équiper depuis votre casier. Yes, aïe. Avec les formes positives, ça aurait claqué quand même. Bon, ben voilà. Hein. On a personnalisé nos petites LeBron 16. J'espère que vous a plu, ça se trouve vous la trouvez dégueulasse. Dites-moi en commentaire si vous préfériez la version avec le bleu royal ou si vous aimez bien celle-ci avec du coup plus les couleurs de Houston Rockets. Après on verra pour le prochain match et pour le All-Star Game. Oh, j'aurais dû faire une paire All-Star. Bon, c'est pas grave. Sur le All-Star Game, on verra ce que ça donne au pied. Lâchez des gros pouces bleus, abonnez-vous. Dans les commentaires, cette fois-ci, on va donner un petit mot. On va dire quoi? On va mettre fire, vous mettez fire. Comme d'hab, soit tout en subtilité, ou soit vous mettez fire, tout simplement. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai diverti. Peace out.